salut à toutes et à tous. Exactement. On continue l'aventure sur Gwarl Garcy et là on va avancer un peu dans l'histoire pendant une heure ou deux. Après on ira manger et après on reprendra l'après-midi. Mais voilà, la classique quoi. Donc voyager là on s'est arrêté dans le cours d'astronomie pour continuer le cours. Hop, on y va. Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour non, toi. Non, non. Effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais, professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Oh, bonjour. Contente de te revoir. On doit se serrer les coudes entre serres d'aigle. Oh, bonjour, Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. C'est sympa, ça. C'est sympa. C'est très gentil de ta part, Amit. Je prends, je pas en avoir besoin. Sûr et certain. Sympa, je prends. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler? Il y a un game de télescope, évidemment. Là. C'est la crème sorcier, des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Croyez, ce serait dommage qu'il prenne flex, la poussière. Là, Eh bien, merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Tu sens chien ou ça se passe comment Bon, non, c'est pas là. Tant que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Oh, le professeur Chat est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. Ah, il est là, le télescope. C'est son vieux télescope. Il a l'air pratiquement neuf. Oh, merde. Professeur Chat, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste. Ah, ça me tasse pas tellement, mais bon. J'ai le skic. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos, il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez? C'est quoi les tables d'astronomie? Vous avez parlé de tables d'astronomie en classe. Ça m'intéresse. De quoi s'agit-il? Ça m'intéresse. Il y a bien longtemps, des adeptes des arts astro ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles.
Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Ok. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'en voyez ravie. Profitez d'une nuit étoilée. Petite nuit étoilée, on va profiter, hein. Donc on va le rejoindre en bas de la tour. Voilà. La nuit parfaite pour... Oh, j'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Cha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Ça sent la merde. Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va ? Donc, une table d'astronomie, qu'est-ce que ça, ça ressemble à quoi ? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. Ah, mais il court pas là ? On la reconnaîtra quand on la verra. Ah, il court. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Putain, il court avec Lumos, quoi. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir. Mais finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des poltrons. Ah bon, là-bas ? Mais pourquoi je fonce tête baissée ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Oh, tranquille. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et d'abysses. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. Revelio, c'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Ah, baignoire à barreaux. Cette baignoire est sous clé depuis presque toujours. La rumeur court qu'elle aurait été enchantée il y a des décennies pour chasser les élèves qui sont trop préoccupés par leurs études et en oubliant leurs hygiènes personnelles. Aïe, 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 il y avait des salles. Il y avait des joueurs de LOL. Là avant. Petit joueur de LOL. Confringo. Revelio. Encore des toiles d'araignées. Ouais, tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? Oh, non. Ah, ça ressemble. Ah, c'est ça. Ah, mais j'en ai vu quelques-unes. Vas-y. Et c'est là. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Quoi ? Ah, je suis nul à ça. Ah, elle est là, non ? Mais si, elle est là. Tarpin là, hein. Voilà, tarpin là, je l'avais vu. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai On est vraiment le good guys, quoi. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Ah, mais c'est de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Sus, les gars, sus. Bref,
Je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Et hop, le petit point niveau 29, les gars, avec un plaisir. Pour les tables d'astronomie, ok. Ok. La 14 quête principale, je suis à la troisième. Aïe, aïe. J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Apo. Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. Revelio. On devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Okay. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour discuter et décider de la marche à suivre. Alors, quête, donc là, les quêtes, l'enfant perdu, on peut... On peut faire ça après, aller voir notre collègue. On va juste se TP en vrai, je sais pas qu'est-ce que je fais. Carte du monde, tac tac tac, ici. TP, on va lui parler à l'enfant perdu. Il me reste des sorts à débloquer ? Oui, il me reste un, non ? Je crois. Oui, il me reste la transformation. Ah, ça c'est pour contrôle, ça c'est pour quoi ? C'est pour force. À propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la... C'est la maison de Monsieur Beagle ? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Ouais, ben on va rejoindre. Marie ! Tout va bien ? Nous cherchons Monsieur Beagle. Mon mari est mort ! Ah ! Il l'a tué ! Oh, je suis désolée, Madame Beagle. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo, j'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils ? Où est Archie ? Je ne veux pas vous faire peur, mais est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archie a disparu, alors il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... Oh, j'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Allez, laissez-moi faire, ma petite dame. Retrouvez votre fils, madame. Laissez-moi faire. Merci. Je vais le sauver, votre fils. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ne vous inquiétez pas, Madame Beagle. Nous vous ramènerons Archie. On le ramène. Ah. Trouver la cachette d'Archie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Revelio. Il y a des dingueries qui se passent quand même. Elle fait du surplace ou quoi ? Elle tourne sur la même, non ? Ouais, ce coffre, je l'avais pas déjà pris. Qu'est-ce qu'elle fait, gros ? Elle est buggée ! Les chaussons ! La suce ! Ouais, moi je la laisse faire ses bails obscurs là. Je la suis tellement pas dans ses bails obscurs. Mais ouais, mais elle bug votre Natsai là. C'est bon. Ah, fait du surplace. Bon, il a insulté le jeu, mais bon, ça arrive qu'à moi ça, gros. Et on tourne. Et on tourne. Ah, peut-être qu'il faut que je la suive, hein, peut-être un MDR. Allez hop, on tourne, on va restart la partie. Allez, let's go.
Ça tourne, ça tourne. On va charger le jeu, hein. Ne vous inquiétez pas, Madame Bickel. Nous vous ramènerons Archie. Tu as arrêté de tourner, là ? Ah, bah bizarre, on la tourne plus, hein. Purée, purée. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, m'a parlé de Monsieur Bickel. Il s'employait à la même chose que nous. Plus que moi. Des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais il était trop tard. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remercié, mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. Revelio. Ce doit être la cachette du petit Archie, celle dont parlait Madame. Une assez grande cachette, quoi. Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Ouais, Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Oh, c'est pratique, Revelio, quand même. Hein. Pratique, hein. Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. À mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Si c'est Arlo qui est à cette trousse, j'espère que tu as raison. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Revelio. On va le trouver. On va le trouver mort, comme d'hab. À chaque fois qu'on cherche une personne, des loups. Elle se retrouve dalle. Incendio. Ah. Incendio. Protégo. Stupéfix. Stupéfix. Incendio. Confringo. Revelio. Cette meute de loups. On devrait regarder aux alentours. Il y a un truc là. La sacoche d'Archie. La sacoche d'Archie. Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. Bon, c'est quand elle tombe, la sacoche elle est pas comme ça. Bon. Archie est passé par ici. Ouais, on va continuer. Hein. On va le retrouver mort, ça c'est sûr, les gars. Chaque fois qu'on cherche un putain de PNJ dans ce jeu, les gars, il est mort. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. Hop. Je me demande de quoi Archie a été témoin. J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remet pas. Revelio. Non, mais on sait même pas si c'est Arlo qui a tué son père. Les gars. C'est des déductions un peu fraudées, là. Hein. Un embranchement. On doit encore se servir de Revelio. J'ai toujours dit qu'il y a plusieurs empreintes de pas. Oh, eh ouais. Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Peut-être c'est juste des personnes qui sont passées à pied sur cette route. Hein. On sait pas. On va dire que c'est magique. Levioso. Allez, le sombral. Tac, tac, tac. Petit sombral. Ouais. Tout va bien à présent. Les sombrales. Ne sont-ils pas magnifiques? Ah, aussi, tu peux voir les sombrales. J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui Revelio. Ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. Capturez-les tous. Pokémon, capture. Ah. C'est triste que tu aies eu à subir ça si jeune. Non, j'ai pas su mes clics. Ça s'est passé il y a longtemps. Toi, hein. Mais j'ai parfois l'impression que Levioso. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Continuez d'avancer. Nous devons trouver Archie. Ah oui, Archie. Revelio. Excusez-y. Allez, ouais, Archie sera juste devant dans le campement, les gars. Hop, on prend ça.
On prend ça, de la tunasse. Juste là, voilà. Très intense de ses pantalons. On joue les nounous maintenant. J'espère qu'ils ne s'attendent pas. Action. Compris. Reste sur tes gardes. On n'a pas. Arrête au moment. Je n'ai pas. Je l'exécute. Oh le bâtard! Ah, mais oh, laissez-moi tranquille! Ah! Ah, faut vraiment que je change mes touches de sort, ça me. En fait, ça me pète tes couilles de changer de. Ah, attendez. Alors. Qu'est-ce qui marche bien avec ça, ça? En vrai, ce qui marche bien avec ça et ça, je pense, en vrai. Donc là, ça, c'est un peu long shoot. C'est répulseux qui sera bien. Sinon, c'est flipendo. Flipendo into descendo, je pense. Après, genre sur celle de droite, on peut faire Axio, donc Axio qui peut bien combo avec ce sort de feu. Après, on peut mettre aussi Expelliarmus, de toute façon, parce qu'on n'a pas Expelliarmus. Voilà. Et à droite, est-ce qu'on va vraiment utiliser Levioso ? Pas, je pense pas. Je pense que ce qui serait bien, c'est Arrêto Momento. Into ça, into, genre on rajoute into au top, on remet ça et on remet ça. Arrête au moment. Confringo. La suite. Ah c'est le mieux que tu puisses faire. Expulsion. Arrête au moment. C'était une erreur. Arrête au moment. Compringo. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Elle est morte ? Ah, elle est où ? Ok, on s'était un peu concentré, on avait changé un peu de sort. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Tu crois qu'il a vu ce qui s'est passé ? Bien sûr que si. Pourquoi est-ce qu'il aurait pris la fuite ? Ce n'est qu'un enfant. On devrait le laisser partir. C'est le genre de chose qui pourrait attirer l'attention. Arlo décidera de son sort à son retour. Flipendo ! Flipendo ! Je pense que ça Flipendo ! Confringo ! Revelio. Ok. Mais non. Bouge pas mon ref. Bouge pas mon refeu. On est bien là, on est posé, chill. Let's go.
Réveillon. Donc le gosse est dans la tente. Une bestiole pathétique dans mes filets. Dommage que personne n'ait vu ça. Ok. Ça va mieux en vrai. Les fights vont un peu mieux en vrai depuis que j'ai changé, mais bon. Je pense qu'il y en a un qui faudrait être hybride un petit peu. Ah. T'es mon bro ! Il était en bas pourtant, mais il casse les couilles. À l'aide, il y a quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Mais sors de ta cachette. Ah. Non, mais. Allez, allez, je me fais bait. Mais comment je descends ? À l'aide, il y a quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Ah là, ok. Réveillon, j'ai besoin d'aide. Oui, t'as besoin d'aide, mais il y a un coffre. Bon. Voilà. J'arrive. Aïe, aïe. J'ai besoin d'aide. Archie Beagle. Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Ah, je suis si contente de te voir. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allô, Mora. Petite allô, Mora, heureusement qu'on a ça. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh là là, il y a épée. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Je me demande qui y vit. Oui, mais ma récompense là. Non, j'ai pas de récompense. Et puis il va se faire engueuler, oh, le beau. Archie, ah non. Tu es là. Oh, tu vas bien. Maman. Oh, c'est maman. Un truc possible ça. Les amis de papa sont en danger. Ah, c'est pas possible, c'est pas Mathieu ça. Les gens qui m'ont enlevé par les deux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Rabe. Monsieur Gilbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Oh. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Attention, enfin. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment peut-on vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. Ah, c'est déjà le cas. C'est un peu trop tard pour ça. Arlo en a déjà après nous, malheureusement.
Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances, je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Beagle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Beagle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Quel père sage que tu as eu. Plus sur les amis de Monsieur Beagle et sur ce que leur veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Ok, ben là on va voir, on va aller aider Nathan. Non, Sébastien. Sébastien, c'est ça, Sébastien, c'est son nom. Carte de Poudlard. Quête d'abord. Ah, Sébastien, voilà. Devant la salle commune de Serpentard, mais je sais pas où c'est moi. Trois pots de talent là. Bingo. Alors voilà, j'ai accepté la quête de Sébastien. Donc Sébastien est là. Oui. Comment tu veux que je... Ah, cette épée là. Retrouver ça dans la salle commune de Serpentard. Ouais, c'est vrai qu'il faut la penser. C'est vrai, c'est à ça le. C'est vrai qu'on devait avec Sébastien trouver la salle secrète du premier fondateur de Serpentard. Voilà. Ouais, trouver une sorte de remède de magie noire pour aider sa sœur. Ok. Réveillon. Donc on y va de ce pas, bien sûr. Est-ce qu'on va voir le Bad Lake? Est-ce que ça sera la salle des secrets, quoi? Est-ce que ce sera ça, ça? Est-ce que ce sera ça? Pas, hein. On fait la quête de Sébastien, après on ira manger, on ira grailler. Voilà. Fantastique. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Alors, tu l'as trouvé? J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Ominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Ominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? C'est sorti à l'interdit sur son ministre là. Ne te fais pas trop d'illusions. Ominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. C'est vrai ça. Hein. Guide-moi. Ah, bonne chance. Ah, il est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais il est pas aveugle? Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité, pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que... Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment, et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard, et il a abordé le sujet.
mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué, même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante. Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partageaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous, nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Le forcing était là quand même. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. Je comprends. Mais par contre... Je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéros donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler ? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui... Confringo ! Le système de Perfume a un lien avec le chiffre. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Je dois me faire entendre, nous n'avons pas à nous servir de la magie noire comme le préconise ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard a accompli bien plus ce que l'on croit. J'ai écrit à mon frère, il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le pas et que nous pourrons étudier l'héritage de notre ancêtre tous les deux. Un extrait de journal. Signé par Noctua Gaunt. Gaunt ? Réparo, ta famille est ici. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. Ah, il entend les... La voix est ancienne. Sinistre. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Tu te mêles pas, là, tu nous aides, bro. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Ominis, tu possèdes une capacité rare. Et vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux ? Je... Peu importe. Révélio, comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Confringo ! Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Révélio. Le cadran exige de la concentration. Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a fait. Ok, attends, c'est un serpent en 8 et un rond avec une lune. Ouvert en associant les symboles.
C'est ce que je comptais faire. Lumos, m'advancer. Beau travail. J'ai échoué sur le cadran et il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent, mais je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre de vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il n'y paraît, Noctua Goblins. Ominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que je l'adorais. Confringo! Salazar Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je ne me sens pas la bienvenue. Allumer ces braseros dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte. J'avancerai en relevant chaque défi l'un après l'autre. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Revelio. Ah, donc c'est quoi ? Lumos. C'est genre un... Ok, avec un carré, ok. Un autre portail. Serpentard est des plutôt joueurs. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Ça a l'air très compliqué, non ? Tu as l'air surpris, alors que nous sommes dans un labyrinthe conçu par Salazar Serpentard. C'est bien un carré en dessous et le truc chou là. Ouais, un carré en dessous coupé. Okay. Le symbole sur toutes les portes et également sur le cadran. Mais je l'ai passé ou... Mais bon, genre à un moment, pèse ta mère, non ? Oh, attends. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Revelio. Excellent travail. D'autres énigmes nous attendent. Examiner chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Extraordinaire, ce voyage est périlleux, mais si enrichissant, je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux, c'est ce qui m'inquiète. Qui est une pêche sur le côté et le triangle. Récompense. Pêche sur le côté, le triangle. Continuer. Pêche sur le côté, triangle. Revelio. Lumos. Pêche sur le côté, triangle. Pêche sur le côté, triangle. Pêche sur le côté. Encore. J'ai connu plus accueillant. Chaque cadran semble. C'est pour Samir, ça va trop lent. Confringo. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Lumos. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Mais faut pas que c'est la magie ancienne. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. J'ai pas un sort qui s'appelle Crucio, mais non. Ah oui, c'est la porte. Ok, si je dois avoir un sort alors. C'est bien.
J'ai perdu espoir, je suis coincé, j'ai entendu un cri, j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne à qui, sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis un point, au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné malgré nos différences. Je ne lui ai aucun mal, j'aurais aimé que l'on se quitte de meilleur... Ah oui. Ominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances Andoloris, tu le regretteras toute ta vie. Ouais, ça, on a attendu 3 jours quand la folie quand il aura la fin. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris ou bien te le lancer. Attends. Tu m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris. Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Ah, moi je suis pas un mage noir, très bien, je... Très bien, je ne veux pas apprendre le sortilège de Doloris. Je ne veux pas apprendre le sortilège, mais je peux supporter la douleur. Tu peux le faire sur moi. Merci, je ne l'oublierai pas. Ah là là, je suis le scapegoat. Ah là là. Je suis prêt. Je souffre en douleur. Ça va. Ah, j'absorbe la puissance. Alors. Voilà. Ah. Est-ce que ça va ? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Pièce secrète est bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble savoir passer du bon temps, du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir sur aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. Continuons. Ah, c'était rien la douleur. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. La douleur n'est qu'un moment. Je n'arrive pas à y croire. Sébastien, Ominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose ? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Revelio. Je vais explorer les environs. Je crains que nous parvenions jamais à un accord, je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité, mais s'il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voudrait que les nés moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur, il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis là,
Je suis las de ce conflit et je ne peux plus le supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorciers et sorcières. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolée dans l'attente d'être réveillée par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. Okay. Révélio. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Ok. C'est époustouflant. Révélio. Nous ne devons pas nous éterniser. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus... Flipendo! Et on sort du scriptorium de Salazar Serpentard. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Nominis, au sujet de ta tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. On s'est pas frotté à la magie noire. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Débloquer un petit défi. Ok, zone de farfalée sans chanceux. Terminé. Oh, mais je l'ai même pas récupéré. Ok. Bon, les gars. Je vais cut le live, reprendre tout à l'heure. Je vais aller me faire à manger. Tout à l'heure, on continue l'histoire. Attends, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a à faire tout à l'heure? C'est la question, hein. Question à... Voilà, qu'est-ce qu'on a à faire tout à l'heure? On a... Ouais, on a... On a quelques trucs à faire. On va se TP directement à la salle des cartes. Comme ça, on perd pas de temps. On est good ou pas? Plus 3, c'est avec moins dégâts crus, ouais, on va pas. Hein. Ah, j'ai bientôt plus de... Ok. Je vais juste faire un petit tour à celle sur demande, pré-Olar, et après j'ai cut le stream. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de...
Ok, donc là on change les équipements et on va après voilà. Ah mais j'ai pas Bombarda donc c'est terrible. Regardez. Regardez. Ah, elle est pas mal aussi celle-là. Carte. Tac 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 tac. TP. Préolard, me voilà. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Allez, let's go vendre des... Y a pas des créateurs de postes de potions moyens, ça on va acheter déjà. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Non, on a déjà les 5 petits pots, 3 petits pots moyens. Ok. Deux reporters. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce voilà. pas? On est pauvre, des joueurs à moi. Road to 11 000, road to 0. Carte, petite carte. Ah, y'a. On va quand même continuer l'histoire parce qu'il faut quoi. Hop les gars, donc moi je vais cut le live les gars, aller manger. Je reviens vers tout à l'heure, 13h30, 14h, vers ces eaux-là. Parce qu'il faut que j'appelle le dentiste aussi pour me faire opérer les dentelles. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à toutes.